Bonjour. Vous êtes nombreux à me regarder sans être abonné. Regarde comme ça rend triste cette licorne. Alors pour sauver les animaux magiques, abonne-toi à la chaîne. Et en plus tu me feras vraiment plaisir. Merci. T'as gagné ! Mais arrête ! Allez, ciao ! Allez, loulouloulou ! Yes ! Et un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Super Max Family. Merci beaucoup, cœur sur vous. Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Quel bonheur de vous retrouver avec l'ourson qui est là, qui nous accompagne dans cette nouvelle vidéo sur Project Playtime, le jeu multijoueur dans l'univers, l'ambiance de Poppy Playtime. On va jouer ensemble avec PinkSwan et Victor, mes deux acolytes de Max Gaming, ma chaîne secondaire où on joue tous les soirs. Aujourd'hui ils vont être là pour faire cette partie de Project Playtime. C'est un jeu super où il faut résoudre des énigmes en évitant les monstres genre Huggy Wuggy, Mommy Long Legs et encore plein d'autres. J'ai vraiment très très peur. Mais avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous reparler de Fever. Vous le savez, je vous en avais parlé début décembre. C'est un site qui met en relation des professionnels ou même des particuliers comme vous, comme moi, avec des créateurs, que ce soit des dessinateurs, des graphistes, des monteurs. Voilà, il y a énormément de corps de métier différents sur ce site et vous pouvez leur demander des services, que ce soit pour vous dessiner quelque chose, pour monter des vidéos, pour faire des fonds sonores, de la musique, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer pour la création, que ce soit professionnel ou personnel, vous pouvez trouver de l'aide facilement sur Fever. Et j'ai donc pu collaborer avec Fever avec grand plaisir. Début décembre, j'avais certains projets à réaliser et que j'allais avoir besoin de l'aide de prestataires et de créateurs qui sont sur Fever. Et bien ça y est, j'ai réussi, j'ai les résultats, tout s'est super bien passé, je vais vous expliquer ça aujourd'hui, c'est super facile et les résultats sont là quoi. C'est génial, vous allez voir ça. La chaîne va changer. Donc je vous avais parlé de refaire quelques génériques, même d'en ajouter un, également de refaire mes petits personnages que vous voyez sur la bannière ou même dans le générique, j'ai quelque chose à vous montrer, et également ma photo de profil ainsi que ma bannière. Tout s'est fait vraiment super facilement, super rapidement également. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc je suis tombé sur le profil de Lucy Was Taken qui me semblait faire de super beaux dessins et vous allez voir que je m'étais pas trompé. Donc une fois qu'on est sur sa page, il suffit de choisir la prestation. Donc là c'était une photo de profil basé sur une photo qu'on lui envoyait, donc elle nous dessinait en mode dessin animé. On a des options, moi j'ai pas choisi d'options mais il y en a de disponibles. On valide, on paye avec le solde et en quelques instants, hop, la commande est passée auprès de Lucy. Donc ensuite il fallait lui donner quelques informations, est-ce que c'est un usage professionnel, optionnellement choisir son secteur. On pouvait également lui envoyer la photo de profil, ça c'était nécessaire pour qu'elle puisse se baser sur ça pour nous dessiner. Et on avait des préférences de couleur. Moi j'ai demandé un arrière-plan jaune pour garder le thème de ma photo de profil actuelle. Je valide, j'envoie les informations et la commande était passée. Lucy avait tout ce qu'elle avait besoin pour faire ma photo de profil. C'était génial, ça s'est fait vraiment simplement et rapidement. Une heure plus tard seulement, j'ai déjà reçu une première esquisse. Vous le voyez ici en crayonnage comme ceci. Donc vraiment bravo à Lucy, elle a travaillé super vite et super bien. Et là je pouvais lui faire des petites remarques comme par exemple la petite mèche que je voulais enlever. Et puis une heure plus tard, déjà j'avais reçu la version finale que je pouvais encore une fois modifier si j'avais besoin. Elle m'a envoyé les deux versions. Mais quelques jours plus tard, j'ai repassé commande puisque j'étais très satisfait de cette photo de profil pour mes petits avatars de bannière et de générique. Là encore, le travail a été vraiment fait super rapidement et super génialement. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, le travail est super cool. Donc il suffisait de valider la commande et ensuite on pouvait noter le prestataire. Bien sûr, Lucy, 5 étoiles sur 5. Partout, je la recommande. Le travail était magnifique, les dessins sont sublimes. Elle a vraiment fait exactement ce que j'avais en tête. C'est parfait. Et en plus, très rapidement et pendant les fêtes. Donc après, la commande était livrée. J'ai pu télécharger tous mes dessins très simplement depuis le site. Et puis le travail était le même avec les HRG Brothers que j'ai choisi pour faire mes deux nouveaux génériques. Vraiment pareil, parfait, très rapide, à l'écoute. Vraiment, c'était génial. J'ai bien choisi les prestataires. Donc vous avez un peu vu les résultats là dans ce que je vous ai montré, mais je vous remontre bien sûr maintenant le nouveau générique de tout début de vidéo. Il ressemble à ça. Il y a également le nouveau générique Je lis vos commentaires qui n'existait pas avant, il est là. Et j'ai refait également, j'ai quelque chose à vous montrer avec les petits personnages que j'ai reçus de la part de Lucy. Ils sont là. J'ai quelque chose à vous montrer.
Puis vous avez déjà vu ma photo de profil, ma bannière, tout ça c'est nouveau, c'est cool. Donc si vous aussi vous avez besoin ou envie de faire appel à des prestataires, par exemple refaire votre photo de profil en mode de cartoon manga pour vos réseaux sociaux, ou même pour vous-même, hein, simplement si vous avez envie de votre version de vous en Simpson ou en manga, si vous avez une chaîne YouTube et vous voulez refaire un générique par exemple, ou faire du montage, allez faire un tour sur Fiverr, il y a beaucoup de créateurs en français si vous parlez pas anglais, bien sûr il y en a qui parlent anglais, mais bon voilà, il y en a plein qui parlent français également. J'ai été super content de travailler et de collaborer avec Fiverr, super expérience. Je vous mets les liens dans la barre d'infos vers Fiverr et vers les deux créateurs. J'espère que vous allez pouvoir utiliser Fiverr pour vous faire plaisir. N'hésitez pas à y aller en utilisant mes liens. Et aussi dites-moi dans les commentaires si vous aimez les nouveaux génériques, photos de profil, la nouvelle bannière, tout ça, dites-moi ça. J'espère que vous allez aimer. Merci encore à Fiverr. Et maintenant, back to the video. Et maintenant, il est temps de lancer le générique. Merci pour tous vos commentaires, il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Les commentaires viennent de cette vidéo, c'était la vidéo sur Hello Neighbour 2, la 4ème partie, dans laquelle on visitait la maison du maire et on découvrait son terrible secret. Le premier commentaire vient de Nana, qui me dit « Hey Max, j'ai beaucoup aimé la maison du maire et les tables du vinyle étaient dures à trouver. Je n'y avais pas prêté attention jusqu'à ce que tu trouves la réponse à cette énigme. Oui, je cherche avec toi les trucs pour comprendre aussi, mais c'est pas facile tout ça, sinon trop cool la vidéo, continue comme ça, Max t'es le seul qui me met de bonne humeur, merci Max. Eh bien non, merci à vous, merci d'être là, de regarder mes vidéos, c'est toujours un super plaisir de partager tout ça avec vous. Si en plus ça vous rend de bonne humeur, eh bien j'ai tout gagné. C'est vrai que l'énigme du vinyle du maire était pas facile et ça me fait plaisir que vous cherchiez avec moi, c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi au travers de mes vidéos. C'est pour ça aussi que moi je vais pas me spoiler, je vais pas avoir les réponses avant de jouer. Si je galère, eh bien je galère et peut-être que vous avez bien compris avant moi ce qu'il fallait faire dans certains jeux, mais des fois vous galérez avec moi et on est ensemble dans cette galère et c'est beau. Ah oui. Le deuxième commentaire vient de Alia qui me dit coucou Max, incroyable vidéo comme d'habitude, tu me remontes le moral, ne change pas, tu es parfait. J'avais une question, quel est ton Five Nights at Freddy's préféré? PS, mon FNAF préféré c'est Five Nights at Freddy's Security Breach. Merci pour ton commentaire, ça me fait plaisir encore une fois, hein, que mes vidéos te plaisent et vous plaisent, hein, merci à tous. Je pense que je vais te rejoindre, le Security Breach est mon préféré également, tout simplement parce que c'est un vrai jeu en 3D, on peut se balader, il y a des monstres, il y a des histoires, il y a des missions, j'adore. Et on va le refaire très bientôt, puisqu'il y a un mode fan, un pack de langues en français, avec les voix en français. Vraiment, ça a l'air dingue, j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc on va se replonger dans Security Breach en français très bientôt, hein, incessamment sous peu. Et le troisième commentaire vient de KobaFan qui me dit « Salut Max, tout à l'heure j'ai joué à Evil Nun et j'ai pensé à toi. Du coup j'ai mis ton nom dans Evil Nun et j'ai eu ton easter egg, enfin je sais pas comment ça s'écrit. » Comme ça, et grâce à ça, j'ai réussi à m'échapper en mode normal. Sinon, t'es le meilleur, continue comme ça, j'espère passer dans la prochaine vidéo. Et bien voilà, tu es passé, merci à toi. Merci de penser à moi quand vous jouez à des jeux d'horreur, ça fait plaisir. Et oui, vous le savez, il y a plusieurs jeux dans lesquels, eh bien, il y a un petit easter egg. Comme ça, si vous tapez le nom, délire de Max tout attaché. Il y en a dans Evil Nun, il y en a dans Smiling X Corp, il y en a dans Dark Riddle, il me semble, je suis pas sûr, mais bref, il y a plusieurs jeux comme ça. Ice Cream, évidemment, Ice Cream. D'ailleurs, je remercie grandement Clipper encore une fois, hein, d'avoir mis ces petits easter eggs, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Et j'espère être toujours dans les prochains jeux, on verra. Voilà. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo pour être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant, on va lancer Project Playtime, on va jouer. On va retrouver également Pink Swan et Victor en vocal. Alors, n'oubliez pas de laisser un joli pouce vers le haut si vous aimez ce jeu. Et bien sûr, dites-moi dans les commentaires, hein, le nombre de vues que cette vidéo a au moment où vous la regardez. Ça se passe sur PC. Suivez-moi, let's go! Nous voici dans l'écran d'accueil de Project Playtime. J'ai mis les écouteurs pour ensuite appeler Pinson et Victor. Je vais d'abord customiser mon personnage. Allez, on va laisser un petit lapinou. Allez, en mode Noël, c'est sympathique. Boxy Boo en burger, voilà. Mommy Long Legs, très sympa en maid. Allez, maid, c'est décidé. Je vais appeler Pink Swan et Victor. Bonjour Pink Swan. Bonjour tout le monde. Et bonjour Victor. Hello, salut. Hello. Vous êtes prêt à hurler votre maman? Oui, je suis prêt à hurler, oui, ma maman. Super. Allez hop, ça y est. Coucou. C'est pas du... Coucou. Wow. C'est quoi? Vous aimez mon look? T'as vu mon chapeau? Regarde, regarde. Regarde, je te montre ma saucisse. Oh waouh, je suis ravie. Et regarde mon sac à dos. Oh, ça, je veux. Choper, hein. Ah bah oui, c'est ça beau. Comme ça. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est là. Allez hop. Donc le but, c'est de faire des mini-jeux sur les tourettes.
les tourelles. C'est comment on court comme ça. Voilà. Oui, il nous montre la saucisse, mais on va se faire choper. Il est là. Oula. Maman. Comment on sprint déjà? R. Je me souviens pas, mais Longlegs qui a un moustachio. Ah, c'est Daddy Longlegs dans ce cas-là. Moi j'ai customisé aussi les monstres, donc comme ça quand je serai le monstre, eh bien ce sera customisé. Est-ce qu'on gagne de l'énergie? Bon, bah je suis dans la cave. Ah déjà? Je suis ravie. Est-ce que la barre de... Est-ce que la barre d'énergie remonte toute seule au bout d'un moment ou il faut prendre des trucs? Oui, elle remonte toute seule. Alors, revive needed. Je vais te décaver, Pink. Je vais te décaver. Oh. Alors, vite, moi je vois une tour là-bas, je vais essayer de faire des mini-jeux quand même parce que c'est le but. Je vous rappelle qu'il faut faire les 3 mini-jeux par tour pour ensuite récupérer un bout de jouet. Et il faut récupérer tous les bouts de jouets qui sont en haut de, de l'écran. Vous voyez, il y a 6 bouts de jouets. Et une fois qu'on a les 6 bouts de jouets, eh bien le train revient et on peut s'en aller. Très dur comme jeu. Moi, je suis fait. Très dur. Si. Alors, est-ce qu'on va arriver à faire... Moi, pour l'instant, j'ai jamais réussi à faire une vraie partie normale et prendre tous les bouts de jouets et m'en aller. Je n'ai jamais réussi. Et a priori, si on est le dernier et qu'il y a le monstre, normalement le train vient tout de suite. Mais bon, la dernière fois ça a bugué, j'étais tout seul et je suis pas parti pour autant. T'es sympa. Je suis dans la cave. Hein. Bon. Alors il faut maman. ça. Au secours! Il va encore mal voir, c'est possible. Bon. Mince, je me suis trompé. J'ai du mal avec ce les points blancs là. Il m'en reste toujours un qui va pas. Ok. Je suis fâché. Merci. Et après, j'en étais sabotage. Il y a un sabotage, super. Ça marche plus. Ça marche plus les grab packs. Oh. Allez. Ah, il reste 16 secondes. Ok. On voit le timer qui reste. Je me cache un peu. Il y a plein de. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça fait ça? Allez, 9, 8, 7. Qui c'est qui est là? Ah oh non, mais j'en ai marre, je peux jamais rien faire, il est toujours en train de. Je suis mon bruit, hein. C'est parti. Quoi? Laissez-moi tranquille. Je suis mouru. Ok. Et puis là, possible de revive, hein. Ah bon? Bah non, parce que sûrement que quelqu'un y était, il a pas fait, il a pas fait le guidon, du coup, et ben. Je me suis retrouvé avec plein de guides dans les tuyaux. J'ai plein de momies. Une phrase très bizarre, elle dit comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai réussi! Bravo! Mais comment je peux te voir? Ah, comme ça. Quoi? Il manquait un rond blanc, mais. J'ai pas réussi en fait. Je regarde avec toi. Ok. Au secours, je suis dans ma cave. Y'a plein de Oogie. Je sais plus. Et en bas à droite. Et alors. Ah! J'ai hésité entre les deux, mais ça m'énerve! On va y arriver. Je veux y arriver. Et 3 d'en haut. Ouais! Très bien. Bah super, mais c'est pas fini! Oh non, mais c'est un cauchemar! Ok. Merci Francis. Ouais! Oh, j'ai le bout de joint! Je le mets où? Et pas de réponse, pourquoi salace! J'ai l'anglaise là. Il est où le coffre à jouets? Mais c'est pas toi que j'ai demandé, voilà. Ah, je vais voir le minou. Toy part, ok, vite. Ah, je peux pas sprinter quand j'ai le... D'accord. C'est là. Oui, j'ai au moins fait un bout de jouet. Aïe. Ouais. Bravo. Mais reçu ne fait ne te Mais comment? Pourquoi il faut faire ça? J'ai oublié qu'il fallait faire un truc comme ça. De quoi? Il y avait un truc à faire ici, mais bon. Aider à faire les puzzles. Ok, c'est ici. Ah bah bien sûr, c'est toujours moi qui me fais les boules. Oh. D'accord. Okay. Oh bah bien sûr. Ah. Quoi? I am touring. Mais ah. Ah mais. Non mais l'anglais. Non mais la tête qu'il a. You. Ah, bah voilà, j'ai été jeté dans la cave. C'est merveilleux. Là, c'est hilarant. Et là, il faut taper. Il faut taper. Il y en a qui été sauvé. Peut-être qu'il va être sauvé aussi. Arrêtez. Il y en a qui été sauvé, il va te.
Ah oui, depuis longtemps, hein. Mais parce que je suis arrivé quand il y avait plein de guides dans la salle. Ouais. Et en fait, ben. Heureusement, le sabotage ne marche pas dans la cave, hein. Parce que si j'étais saboté avec les Oogie Oogie. Il y a deux oranges. Et un rouge à gauche. À gauche. Derrière toi. Mais sauvez-les, mon bibi en bois! Derrière toi. Ça me fait tellement avec ma saucisse sur la tête. Il y en a partout! Il y en a partout! Ouais, on me sauve! Merci! Elle est court! Ah, on voit rouge là. Hein. Est-ce que là ça a été. Oui. Mais au milieu de non mais c'est hilarant son skin. Hein. Ouais. Alors, on dirait qu'il s'appelle Rodrigo. Rodrigo. Il reste 4 bouts de jouets. Bien sûr, on va jamais y arriver. Moi je vais être tout seul, je crois. Non! Si. Non! Si. Non! Si. Ah! Ah! Super, on change de partie. Waouh, quelle jolie map lunette. Oh waouh! Mais c'est Poppy! C'est la statue de Poppy, j'avais jamais fait gaffe. Où ça? Bah là en bas. Ah, oui. Avant de monter, c'est Poppy. Ah, mais c'est le théâtre! Ouais, c'est le théâtre, elle est jolie. Ouais, c'était l'autre. Ah, ça j'aime bien comme épreuve. La rapidité, ça c'est pour moi! C'est Poxy Poo! C'est Poxy Poo! Tu sais que c'est la map qu'on a, c'est la map d'avance, hein. Bah ouais, c'est bizarre parce que c'était pas. Mais pourquoi c'est toujours moi qui fais les boules blanches, hein? Bon, je fais, ça sera toujours cette. Oh non, mais j'en ai marre là! Faut arrêter! Lâchez-moi 2 secondes là! Stop à un moment donné! Yeah! J'ai réussi du premier coup! Il y a du progrès dans l'air! Allez, on avance! C'est bon, je me suis fait avoir, j'en ai marre. Déjà? Oui, ils sont tous derrière moi depuis tout à l'heure. Oh, j'ai réussi! Tu y arrives? Oui, aussi! Ouais! Vas-y, prends le bout de jouet. Mais il est où? Ah là, j'ai la tête. Vite, là. Alouette! Ok. Il faut le placer dans le. Ah, y'a Boxy Boo! Mabo! Au secours! Là. Je suis par terre, au secours. Ok. Déposite toi et pars. Mais oui, mais j'aimerais bien, mais. Bah oui, 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 oui. Je me suis fait manger. Et bim! J'ai déposé le bout de jouet. Il nous met par terre, mais on peut pas se revaler. T'as pas ça comme ça. Oh, il est juste là, Boxy Boo. Je m'en vais. Je suis dans la cave. Ah oui, oui. Et Victor est down. Ok. Moi, c'est bizarre, il m'a laissé par terre. Oh non, il m'a laissé par terre. Oh non, mais c'est non. C'est bizarre, il m'a laissé par terre. Oh non, il m'a pas laissé par terre. 5 secondes. 3, 2. Toi, t'es moche, Oust. Aïe, bye. Tu pues. Allez. Aïe. Allez, les boules. C'est juste vrai, il pue. Ok. C'est bon, je suis caché. Yeah! S'il vous plaît! Je commence à devenir meilleur à ces jeux de boules. Ah, on est ravis. Okay. Tic tic tic. Ok. Merci! D'accord, hold the space to hold your breath. Oh, mais non, mais non, mais non! Je vais être sauvé! Wesh! Laisse-moi tranquille, hein! Flamme de chouchou, là! Oula, tu satures! Et ben je suis encore mouru. Je viens à peine d'être sauvé et ben on m'a rechopé. Je crois qu'il a un grain contre moi. Un grain de café? Un grain de riz? Un grain, voilà. Moi j'essaie de faire le truc là. Tu trouves pas 2-3 me mettre, hein? Haha! Chez! Je m'autorise. Ouais! J'ai fait toute la tour à moi tout seul! Bah oui, mais comment te dire que je suis pris en grippe par Boxy Boo? Yes! J'ai fait la tour. Il y a un bout de jouet par terre. Il y a quelqu'un qui a pas compris la règle du jeu, hein. Dans les joueurs. Ou alors il s'est fait choper parce que moi pareil, hein, c'est j'arrive. Moi je peux avancer. Il m'a lâché. Ok. Deuxième boomy. Je vais chercher le bouquet par terre. Décidément c'est cool. Ça fera 3. C'est la première fois que je vais si loin. Allez. Mais laisse-moi tranquille. Il arrive pas. Ok, j'ai le bout de jouet. Je vais le placer. Et attention. Ouais, oh, il y a déjà 3 bouts. Ça veut dire que je vais poser le 4ème. Oh, on va peut-être y arriver. Allez, merci, on garde la foi.
Ok, bon, il reste plus que debout. Mais... Il faut aller sauver. Toujours moi. Go, go, go. À peine je suis réveillé, à peine il me chope. Oh, il y a un bout par terre. Ça veut dire qu'il reste plus que... What? On va y arriver? J'y crois pas. Il y a Criminal qui a un bout de jouet, donc il reste plus que un. Une tour à faire. Bon, il m'a encore chopé, mais je crois qu'il m'a pris en grippe. Je vais avoir un skin qui lui déplaît parce que franchement, c'est pas possible. Hein. Bloqué. Bon, bah après, pendant qu'il s'occupe de moi, il s'occupe pas de vous. Donc je me dis que l'un dans l'autre. Attends, le dernier bout de jouet est là. Il est là, il est là. Mais c'est facile de me choper quand je suis bloqué, hein. Bah oui, hein, c'est sûr. Hein. C'est toi? Salut. Bah voilà, hein, c'est sûr. Hein. Je suis bloqué, je peux même plus bouger, du coup il me chope. Voilà. Allez, arrive, arrive. Vous, ça va sinon? Ça va, il est là. Je peux plus bouger. C'est vite, il est bon. Oh, il a le dernier bout de jouet, mal placé, bonne âme. Moi je vais essayer d'aider les gens. Il est beau le sol, hein. Ouais, il est magnifique. Parce que c'est. Franchement, c'est. J'apprécie grandement. Je peux pas vous aider, je peux pas vous aider. Mais cours, 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 cours. Franchement, le sol il est beau, enfin je sais pas, c'est un sol des années 80. Non, 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 pas maintenant, non. Voilà. Je vais revive, je vais revive, bon. Je vais revive bon. Le jouet, le jouet. C'est ouvert. Je peux pas avancer. Ah bah oui, c'est ouvert. C'est génial. Faut faire là. Ça. Où ça? Ah. Non. Non. Pas maintenant, mais non. Juste à la fin, c'est une blague. Non. Ah oh, mais je suis auto-revivé. Quelqu'un peut m'aider? Criminel DZ, m'aide, merci. Je vois pas où tu es. Merci, merci. Allez, on fait ça. Il faut faire baisser ça. Il faut s'escaper. Il faut s'escaper. Première fois de ma vie. Il faut s'escaper. On y va. Go. 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 Go, il faut s'escaper. Je cherche la sortie. Je cherche la sortie. Au secours. C'est où? Où est-ce qu'on sort? Où est-ce qu'on sort? Je sais pas perdu. Où je suis. Moi aussi. Je sais pas où je suis. Je sais pas où. Là-bas dans le train. Là où on est venu. Mais je cherche la sortie. Attends. Je vois la sortie mais je vois pas où c'est le. Ah, faut rentrer dans le train en fait. Vite. Go 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 go. Ouais. Je suis dans le train. 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 Lilei. J'arrive. Non, il est à gauche. Prends l'autre escalier. Oh, comment t'as fait? Comment elle a sauté? On a gagné! Première fois qu'on gagne, enfin pour ma part, première fois que je gagne! Bravo, bravo, bravo! On a réussi! Non, c'est pas la même! Wouhou! Super! Allez, moi je vais faire ça. Je pense que ce sera un noob celui qui va jouer. Noob! Noob! Noob, 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 noob! Noob, ni, noob, noob, noob! Alors. Rose. Huggy Wuggy est en liberté. J'ai peur. Et qui, à votre avis, qui doit en premier? Moi. Oh non, sabotage. Super. Aïe. Oh waouh. J'ai réussi. Et qui c'est qui s'est fait encore choper? Je dois avoir une tête qui dit viens me chercher, viens me zigouiller. J'apprécie grandement. Non mais c'est bien, moi je fais pas d'efforts, il me porte, tout ça, tout ça. Allez hop, dans la cave. C'est bien, pourquoi pas un grenier pour une fois? Enfin je sais pas, à un moment donné Je ne sais pas. Soyons un peu original, je sais pas. Salut toi. Oh ah. Non. Il m'a attrapé. Il m'emmène dans la cave alors qu'il y a le jouet qui est par terre. J'ai fait toute la tour et il m'a attrapé quand j'ai réussi le dernier mini-jeu. C'est pas du jeu. Bah c'est bien, tu joueras au tuyau avec moi. J'aurai de la compagnie, c'est bien, c'est cool. Salut, ça va toi? Au secours. Au secours. Bon. Voilà. Voilà. Mais bon. Eh bien, attendons qu'on vienne nous sauver. En attendant, bah oui. Nous frappons. Ah bah bravo. Bravo, tu me laisses. Non mais d'accord. Waouh. Bah écoute... Non mais il a eu qui écoutait de moi. Non mais vas-y, vas-y. Ah bah oui, il a eu celui qui t'a sauvé. Oh non, le pauvre. Ah ouais, il t'a sauvé et il est venu ici. Non, le pauvre. C'était Garfu, je sais pas quoi. J'ai pas fait gaffe. Bah, je crois je que me suis dit Taio. Ah, revive. Est-ce que je... Est-ce que je revive quelqu'un là? Comment je revive?
Faut recliquer ensuite. Tu cliques une fois et après tu recliques, tu restes appuyé. Sur la main. Comme si tu lançais ta main. Ah voilà. I am coming up. Il y a plein de gens à sauver. I'm coming là. Up. Allez hop, ce n'est pas du rondi, merci. Nanana. J'arrive pas. Oh non. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Moi j'essaie de réviver les gens. Ah bah ça y est, elle a été réviver. Ok, il reste ça. C'est quoi ça? Il y a des Huggies qui servent à rien. Comment je les semais? Comme des petites graines. Exactement. Yes! Il est derrière Bax! Ah oui, ah oui, il est là. Il y a des Huggies partout. Non mais c'est une blague. Mais arrête! Mais dès que je fais le jeu, il me prend! Ah. Bon bah attendez. Je vais être emmené dans la cave encore une fois. C'est pas grave, au moins je fais diversion version, c'est parti. Je me cache. Je me cache comme ça, j'essaie de tout sauver. Vert orange. Vert, orange, bleu, rouge, jaune, vert, bleu, 1, 2, 3, 4, 5, vert, orange, jaune, jaune, bleu, violet, voilà, violet. J'ai... T'as perdu le fil? Ah bah super. Voilà. En fait, voilà. Elle a perdu le fil. J'arrive pas à faire les mini-jeux, vraiment, hein. Super, bravo. Petit prancounet. Ah! Mais ah bah voilà, voilà, bravo, hein. Bravo, hein. Toi, bravo, franchement. Bah voilà. Et après, tu veux que je te sauve? Et bah, tu te débrouilles. Voilà. Et t'es sauvé, Max? Non. J'arrive. Bah, il a dit j'arrive. Au moins, lui, il va me sauver. Mais sur. Comment ça se fait qu'ils sont morts? Oh, y en a plein. Oh, y en a plein comme ça. De quoi tu parles? Y'a plein de guibugis partout. Mais t'es pas mort? T'es mort ou t'es pas mort? Moi? Bah oui, toi. Le pape! Pourquoi y'a au moins. Y'a au moins 6 guibugis? Mais non. Si, je te jure, c'est vrai. Mais non. Y'en a partout. Mais non! Bon bah là, je crois qu'on va pas s'en sortir. Ouais! On me sauve! Qui c'est qui me sauve? À liberté! Y'a quelqu'un juste là. Y'a un guibugis juste là, c'est une blagounette. Y'en a plein. Hein. Mais je peux pas, y'a Huggy Wuggy derrière moi! Eh bah trop tard! Mais j'étais attrapé déjà! Non mais voilà, Max, en fait, mais voilà, à cause de toi, là je suis morte à cause de toi, voilà! Non, c'est pas voilà, à cause de moi parce que j'avais Huggy Wuggy à mais mes c'est fesses! À cause de toi. Non, c'est pas à cause si, de moi! Non! C'est pas à cause de. Ah! Y'a Huggy Wuggy qui m'a mangé! Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois la caméra en vue de derrière? Je vois quelqu'un? Bah moi je suis dans un casier en fait! C'est parce que j'ai été eu complètement, hein! Ah, je suis un casier, moi. Là, j'ai perdu mes vies en fait. On peut pas se faire sauver un nombre illimité de fois. Ah, voilà, c'est bon. C'est victoire que j'ai. Alors. Allez, ciao. Bon, j'adore ma vie. Hein. J'apprécie grandement. Il se fait traîner. Coucou. Bon, je préfère largement cette map hein, que l'autre. Moi aussi. Oui, moi aussi. Ouf. Elle est plus jolie. Mais c'est plus jolie. Ok, moi je fais l'autre. Pas du rôti. C'est quoi ça? Ok, c'est le Simon. Mais non, c'est moi le Simon. Non, moi c'est. Enfin, moi je suis au rond là. Oh, c'est j'ai pas fait, du tout là, ça. Mais ça va. Oh Simon, c'est avec les lumières et la musique. Oh, je sais pas, ça me saoule. Non. Si. Non. J'ai gagné. Moi aussi. Allez hop. Oh! Qui c'est qui marche? Non. Allez, je vais aider à faire les puzzles là-bas. Go. Voilà, cours comme t'as jamais couru. Non, mais laissez-moi, non, du pépin bois. Oui, j'avais dit courir, hein. Oh, oh. J'étais en train de gagner. Bah, oui. J'ai fait un puzzle. T'as fait lequel? Avec le piano là. Bravo. Ouais. Tu vois celui où on était Max? Il reste plus que les boules blanches. Ouais. Je vais te donner ma vie Max. J'ai revive. J'en ai fait deux. Deux sur trois ou quatre, je sais plus. Je suis derrière toi, j'essaie de te sauver. Mais moi j'ai pas été abîmé hein. Bah moi il est en train de me porter pour me mettre dans un trou. Super. Bah je fais la tour moi. C'est bien. Moi je suis le cavalier. Qui fait la reine, qui fait le roi? Bref. Yes! Oh là là, j'ai réussi! Comment bider pour une blague? Allez, comme ça! J'adore ma pink. Bref.
Bref. Non, je sais plus, je sais plus. Bah non, c'était l'inverse, je savais que c'était une flèche, mais... Aïe, il s'est trompé. Je vais revive. Ya. Elle fait du rodéo. Et ça. Yes. Allez, il reste plus que le piano. Il me poursuit. Ok. Au secours. Ah, coucou. C'est bien, serre d'appât. Ouais. Non, d'abat. Oggy. Ah. Oggy. Allez, plus qu'un. Ouais. J'ai le bout de jouet. Le bout de jouet. Vite. I need to place the bout of the jouet. En plus, c'est le premier. Mais il me poursuit, je suis ravie. C'est bien, tu sais. Ça rime. Yeah. Oh waouh. Ça c'était du cri. Ça c'était aigu, hein. Wow. Et bien mélodieux avec des petites variations de voix. Waouh. Ah bah décolle un tympan. Ça c'était un lancer d'air. Waouh. Nouveau sport, tu sais. Mais vous avez fait cette tour ou pas? Ah ouais, bravo, deuxième bout. Je cours entre les tours parce qu'il est en train d'essayer de me choper. Puis j'aime bien aussi quand on vient m'aider. T'aimes bien? Ça, si vous voyez ce que tu veux dire. Mais fallait nous le dire, je crois que t'aimais pas. Ah! Mais m'a eu. Oh. Et à côté d'une trappe en plus, donc il va me foutre dans un. Tu vois, on peut pas t'aider. Mais. Max, pendant ce temps-là, voilà. Je sais pas ce que c'est, au secours. Bon, je le fais. Il manquait un autre truc là. Bon, juste en haut du train là, à gauche, il reste plus que les boules à faire, il en reste deux à faire. J'arrive pas à ce jeu, j'arrive pas à me souvenir. Gigot d'animal. C'est un très bon exercice de mémoire en plus, ça. Si. Les gros problèmes de mémoire, moi j'arrive pas à retenir. Tu peux ça le s'entraîne. Faire. Quoi? Ça s'entraîne. La fois j'avais même fait des screeds avec mon téléphone. Screed. Oui. Troisième bout de jouet fait. Allez, sans les tours. Est-ce qu'on va gagner une deuxième fois voudra... une... Bon, on a déjà gagné tout à l'heure. Bah oui, est-ce qu'on va gagner une deuxième fois en deux... C'était magnifique ce cri. Laisse-moi. Tu vas me rejoindre dans la cave. Je vais l'attirer vers moi. Maman, mais pourquoi? Pourquoi tant de haine envers moi? Je ne suis qu'un pauvre petit bliblou. Ah, je suis coincé. Qui voudra... Je vais laisser mes amis tranquilles, d'accord? D'accord. Yeah, tu reconnais ou pas la chanson? Victor! J'arrive. Prends le relais de Bloxy, là. J'en peux plus. Prends la garde. Mais pourquoi il est derrière moi, celui-ci? Ah, attends, je sais. Et oui, il faut se servir des portes, mes cocos. C'est bon, je les semais. Edmé. Mais. Oh, comment je les semais? Non, elle est encore derrière moi. Ah, je peux rentrer là-dedans? Merci. Ah non, il peut rentrer lui aussi. Je pensais pas qu'il pouvait rentrer dans les conduits. Bah oui. D'accord. Qui est par terre là? Moi. Oh non. J'arrive, Max. Mais il arrive pas. Non, va-t'en. Fuis loin de moi. J'auto-revive. Pas de soucis. Il m'a laissé, donc j'auto-revive. J'ai pas besoin de. Allez, j'ai besoin de personne, hein, la Davidson. Ok. Oh. Mais ça ira plus vite. Allez, non, tu vas te faire rattraper. Il me sert. Il m'utilise pour. C'est bon, il me porte. D'accord. Victor, qu'est-ce que tu fais? Non, ah non, c'est pas toi, pardon. Je croyais que c'était toi. Mais non, c'est pas moi. Oh. Y'a pas des pseudos là. Oh, c'est il m'a laissé par moi. Terre. Je rampe. Oh. Ah bah voilà. Voilà, il a eu quelqu'un d'autre. Il a eu quelqu'un d'autre parce que cette personne est venue pour me sauver alors que j'avais dit de pas venir me sauver. Okay. Et cette personne, c'est Pink? Non, c'est une... quelqu'un moi, d'autre. Moi, je fais un jeu là. Allez, je vais reviver là. Wesh, mais cours. Ok. Je suis parti.
Ok, derrière moi, je panique. Ok. Tu vas y arriver ou pas, madame? Tu y arrives, monsieur? Vert, bleu, jaune, jaune, orange, jaune. Mais il a pas réussi! Laisse-moi le faire! Bon. Je vais essayer de revivre quelqu'un. Wouah! Je vais pas réessayer! Pourquoi moi? Ok, j'ai un bout de jouet. Bon, je vais revivre quelqu'un. Go! Allez, c'est bon, il a pris te le squelette. Déposite vite. Ah, c'est bon, quelqu'un a été revivé. Super! Moi qui l'a revivé. Bravo! Ah, fallait me le dire! J'allais en route faire le truc! Je cherche un toy déposite. Ok, go! Il reste que ce mini-jeu là. Je suis à côté de toi. Ok, il reste que celui-ci. Là, la toy déposite, vite! Allez, allez, allez. C'est bon, un en plus! Il est là! Yeah! Ici! Toy déposite. Ok, c'est le quatrième. Plus qu'un! Go! Go faire la dernière tour! Tour, 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 tour! Tour, 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 tour! Une tour, c'est là! Là, c'est bon. Ah ouais? Ah oui, effectivement. Après, il y a plusieurs tours en fait. Hein. Il y a plusieurs possibilités parce qu'il y en avait une qui n'était pas faite près de moi. Fait. C'est bon, moi j'ai fini. Mince, à un truc près. Tu peux le faire. Allez Max, tu peux le faire, tu peux le faire. Je vais l'occuper. Viens là toi, viens là, viens me chercher, viens, viens. C'est viens fait me chercher. C'est voilà, fait viens me chercher. Je vais placer viens le bout de jouet. Allez viens me chercher, viens. Allez Max, allez, allez, allez. Défense, il me poursuit, vite. Je vais le placer, je vais le placer, je vais le placer. Ok. À moi, vite! C'est bon, je le place et après on va faire les... C'est bon! Maintenant il faut faire le... Le gros truc là! Vas-y, il me poursuit, vas-y! La poignée! C'est où, c'est où, c'est où? Pull down, ok, j'y vais. Il m'a eu. Bon, moi ça t'a permis okay, de... Ok, on pull down. Ça va, il te dépose à l'endroit où je okay suis devant... On pull down, on pull down, on pull down. Allez les amis, on pull down, on pull down! Go, go, go! Yes! Escape! Je suis dans la cave. Escape! Fonce! Vous êtes dans la cave? Attendez, mais je vais vous sortir de là! On bah est à côté du train. Ah! Mais au moins il a. Au moins il est juste devant le train, comme on fait, Max! Eh ben, il faut l'échapper. Mince. Le train! Oui, oui! Mais oust! Pourquoi j'arrive pas? Allez, cours, Max. Cours, 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 cours. Comme t'as jamais couru de ta vie. Il est dans l'escalier de droite. Oui! Bon, bah, désolé, hein, Pink. On a laissé Pink derrière. C'est triste. Mais là, il était... On pouvait pas. On pouvait pas. C'est triste. Là, je vous sauve la mise. On ne t'oubliera jamais. On ne t'oubliera jamais. À jamais dans nos pensées, Pink. J'ai pas fini de hein. Ah, bah bravo alors c'est agadé. C'est ainsi que s'achève cette vidéo de Playtime, Project Playtime. On a adoré encore une fois, est-ce que vous avez aimé? Oui, c'était trop bien. Super. Et bien un dernier mot à dire avant de laisser nos amis. Et abonnez-vous. Et vous retrouvez Mixo et Victor sur Max Gaming. Et bien merci à vous d'avoir été là. Merci. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle partie, ou plutôt ces nouvelles parties de Project Playtime. Merci à Mixo et Victor d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres parties de ce jeu qui est quand même assez palpitant avec les monstres et tout. On n'a pas eu l'occasion d'être les monstres cette fois-ci, peut-être une prochaine fois. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un joli pouce vers le haut. Abonnez-vous et partagez cette vidéo à au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Le mot mystère à mettre dans les commentaires est train, comme le train qu'on prend pour s'échapper de cet enfer de Poppy Playtime. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!